Pour un symbole, c'en a été un. Il aura fallu attendre la visite d'État dans sa région pour que du haut de sa tribune, Henri Conan-Bédier, le président du PDCI-RDA, appelle les membres du RHDP à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara en 2015. C'est l'appel de Daou Kro et il a été lancé le 17 septembre 2014. Pour le PDCI-RDA, voici le sens de cet appel. L'appel de Daou Kro égale 2015 Ouattara plus 2020 PDCI-RDA. Un appel, certes entendu par de nombreux militants, mais qui a besoin d'être formalisé pour le besoin de la cause. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA du 28 février répondra à cette exigence, d'où ces tournées d'information à l'intérieur du pays et maintenant à Marcory, première étape d'Abidjan. Le 12e congrès avait recommandé que ce soit qu'un militant du PDCI. Mais avec l'analyse de la situation de l'environnement, le président Bédié a lancé un appel pour que le président Ouattara, qui était candidat du RHDP élu sous la bannière du RHDP, continue d'être notre candidat. Il faut aller à un congrès pour reviser cette résolution. Donc je suis venu expliquer aux congressistes. Ils étaient plus de 200 secrétaires généraux de section, tous issus d'Abidjan Sud, qui ont dit oui à l'appel de Daou Kro. Ils entendent le démontrer lors des pré-congrès prévus une semaine avant le congrès du 28 février prochain.